Nous sommes certainement dans une fausse démocratie, que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent. Jean-Claude Bourret, question traditionnelle qu'on pose à chacun de nos invités. J'ai très peur. Si vous en aviez vraiment rien à cirer, que diriez-vous à la télévision que vous n'avez encore jamais dit ? Caméra. Ah. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. Révoltez-vous, mesdames et messieurs ! En 1984, Jean-Claude Bourret présentait le journal de 20 heures sur TF1 au moment où il y a eu la grande manifestation en faveur de l'école libre. J'avais fait mon métier de journaliste et donné les chiffres officiels du nombre de manifestants. 800 000 selon le ministère de l'Intérieur. L'AFP ne donnait pas le même chiffre. Le directeur de l'information, nommé en tant que fils d'un député socialiste, Alain Denver, fils d'Albert Denver, a immédiatement reçu l'ordre de l'Élysée de me retirer le journal de 20 heures. Nous sommes en 2024, penses-tu que ce genre de méthode existe encore? Que l'Élysée téléphone dans les rédactions? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires.